Shalom, 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 fidèles téléspectateurs de l'émission du programme spécial des prières au sujet des conflits familiaux. Que l'Éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse au nom précieux de Jésus. Nous sommes là pour pratiquement une heure dans la présence de Dieu, une heure de prière. La présentation, c'est le pasteur Kalala, votre humble serviteur. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué pour ce temps qu'il met à notre disposition. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es pour lui dire merci. Merci pour le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration. Mais bien avant ça, je te salue et je te prie de bénir aussi ceux qui te sont chers. Partage, partage, partage dans les groupes auxquels tu es abonné. Tu peux cliquer sur j'aime. Tu peux inviter un frère, une sœur en lui disant l'homme de Dieu vous invite à prendre part à ce programme qui tend vers sa fin. Que le Dieu très haut soit loué, lui le maître des temps, mais aussi le maître des circonstances. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire à Dieu merci? Merci tendre Père, merci pour ce moment, merci pour tes bienfaits. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas distrait, bien-aimé, concentre-toi dans la présence du Seigneur, prie, remercie le roi des rois, l'agneau immolé de Dieu sous cette belle mélodie. Grâce à Dieu bien-aimé, ne sois pas distrait. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous agrées dans ta présence. Ensemble avec les frères, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te bénissons. Merci Jésus de Nazareth. Merci l'agneau de Dieu. Merci l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu de veiller sur ta famille de sorte qu'elle ne soit pas divisée, mais qu'elle soit unie, une et indivisible, que ce soit le jour, la nuit, pendant l'abondance ou comme pendant la disette. Que le bon Dieu vous protège, vous sécurise, qu'il prenne soin de vous. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ce temps favorable. Nous te célébrons, te magnifions. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Dans les noms précieux de Jésus. Tendre Père, béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour cette séance. Te prions de prendre les contrôles de tout ce qu'on va devoir faire comme service. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. À Jésus. Bien-aimés, nous allons beaucoup plus prier ce soir par rapport à ce que nous avions suivi comme enseignement. Mais avant cela, j'aimerais que ta prière soit vraiment exaucée, ainsi que la mienne. Or, la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a point péché est un menteur. Et s'il y a une barrière qui puisse être érigée et constituer un obstacle à nos prières, ce sont nos péchés. Nos péchés peuvent en être la cause principale.
Voilà pourquoi je te prierai de demander à Dieu de purifier tes pensées, de laver ta robe, conscience et ton subconscient. Demande à Dieu de te purifier au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Tendre Père, merci de purifier nos cœurs. Merci de purifier nos âmes. Merci de nous laver. Seigneur, merci parce que tu ôtes tout péché. Toutes sortes d'obstacles à nos prières sont ôtés. Merci de nous justifier. Au nom précieux de Jésus, nous disons gloire à toi Seigneur. Mon frère et ma sœur, je te prie maintenant d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu de te conduire encore le long de cette séance, que nous soyons tous sous la mouvance du Saint-Esprit. Il avait dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Que votre humble serviteur vous prêche sous l'onction de Dieu, du Saint-Esprit. Que toi également tu reçoives le message des bons cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, nous te demandons d'inonder nos âmes, nos corps et nos esprits. Nous te demandons de nous revêtir de ta puissance, de nous oindre d'huile. Saint-Esprit, prends la direction de tout un chacun d'entre nous. Conduis-nous, Éternel, conduis-nous, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On acclame le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Il est Dieu. Il mérite la gloire et la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez parlé de plusieurs causes pouvant susciter des conflits, et on a parlé également, en survolant bien sûr, de certaines conséquences des conflits dans des familles. Parmi les conséquences, aujourd'hui nous allons continuer avec les conséquences, on va prier aussi par rapport à cela. Donc on va prier dans beaucoup de choses, bien sûr, beaucoup de choses dont on a parlé les jours précédents. La plupart des familles qui sont visitées par l'esprit des troubles et des conflits, la plupart des familles divisées, la plupart des familles où règnent les mésententes et les conflits, bien-aimés les seigneurs, j'avais dit hier que les esprits de mort prématurée les visitent si facilement. Mais de quelle manière ces esprits réussissent-ils leur opération pour faire de ces familles leur champ d'action, également leur proie, les victimes, les membres des familles, leur proie? Ils passent souvent par des blessures intérieures. Ba pota ya katia mutemo. Telle que la blessure au niveau de la peau, au niveau du corps, de la cuisse, de la jambe, au niveau du bras, dans la tête. Tel que ça fait mal, c'est également la même chose pour la blessure intérieure. Elle fait aussi mal que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne les supportent pas et finissent par soit se venger, soit se suicider. C'est pourquoi je vous disais, parents, il faut battre le fer quand il est chaud. N'acceptez pas de développer ces climats de mésentente dans des familles, surtout dans la vie des enfants. Si vous pouvez taper sur Google, faites des recherches, vous allez remarquer que beaucoup de jeunes gens, garçons tout comme filles, se sont suicidés suite à des blessures intérieures. C'est un climat à ne pas accepter ni tolérer dans la famille. Là, je parle déjà de ta famille restreinte en premier lieu. Du moins parce que là, c'est toi qui gères. Tu gères à 80%. C'est toi l'acteur principal, papa, maman, vous qui me suivez.
N'acceptez pas cela. Conflit entre maman et marâtre. Et fils de son mari ou bien fille de sa femme. Lorsque vous êtes dans une maison et que certains des enfants se sentent marginalisés, ils se sentent, bien mes seigneurs, maltraités, ils se sentent déconsidérés, ils se sentent traités comme des esclaves, ça développe en eux un sentiment de mécontentement. Et quand ils sont incapables, mes seigneurs, de s'exprimer, ils développent en eux des plaies. Et ce sont des plaies que tu ne peux pas voir de tes yeux physiques, à moins que tu sois un bon psychologue, psychiatre, etc. Psychologue, que tu aies fait la psychologie de l'enfant, tu peux comprendre que celui-ci ou celle-là est blessé au-dedans de lui ou au-dedans d'elle. Si vous êtes superficiel et que vous n'êtes pas attentionné, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez laisser cela, pensant que la situation s'est résolue d'elle-même. Or, mes frères et sœurs, la plaie est en train de s'infecter et d'infecter la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, parents, futurs parents, grands-parents, vous qui avez des enfants, n'acceptez pas et ne laissez pas le climat de mésentente ou le climat d'incompréhension et de conflit entre eux. Et ne laissez pas certains de vos enfants, bien certaines des composantes de la famille, demeurer longtemps avec des blessures intérieures. Une personne qui vit avec une blessure intérieure, mes amis, je vous l'ai toujours dit, c'est une bombe à retardement. Ces genres de personnes finissent par exploser, mes frères. Elles finissent par exploser. Et les conséquences ne sont pas toujours les bienvenues. Dans la Bible, nous voyons la famille d'un homme qu'on appelle le roi David. On l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David, mes amis, un vaillant héros, on l'appelle le conquérant. David est rempli de beaucoup de richesses. La preuve en est que il avait de l'or, de l'encens, tous les ustensiles de valeur que son fils va devoir hériter plus tard. On l'appelle Salomon, le fils de David. Bien-aimé, il était fort dans tous les domaines. La fée de son pays, de son royaume, les États-Unis d'autrefois. Fort, bien-aimé, sur le plan militaire, fort sur tout le plan. La Bible dit qu'il avait un enfant qu'on appelait Amnon, qu'il avait enfanté avec une femme. Il avait encore d'autres enfants, en l'occurrence Absalom et Tamar, sa petite sœur, qui était née d'une femme différente de celle de Tamar. La Bible dit Tamar va tomber amoureuse de sa sœur, de sa demi-sœur, va se faire conseiller, se faire coacher très mal par un jeune du quartier qui va lui dire d'aller coucher avec sa sœur en faisant le faux malade, et puis papa va permettre, n'est-ce pas, que sa sœur aille lui offrir quelque chose à manger dans la chambre, et de ce fait qu'il puisse abuser de sa petite sœur Tamar, sa demi-sœur. Chose qui a été faite. Pendant que tout ça se déroule, les parents ne sont pas attentionnés. Les choses se passent dans le noir en cachette, mais les conséquences sont fâcheuses. Là, je tire encore l'attention d'un papa, d'une maman qui n'est pas vigilant, qui n'est pas vigilante vis-à-vis des mouvements, des gestes, des réactions, des comportements de leurs enfants dans la maison. Bien-aimés, ne faites pas comme David, parce qu'il en a pleuré dans les jours à venir.
Un adage de ce monde dit, on bat le fer quand il est chaud. Quand ils seront grands, si tu as raté le départ, c'est fini. Ah, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, mes amis, il va tomber. Il va tomber, mes seigneurs, sur sa petite sœur et puis ils vont s'accoupler. La petite sœur est violée, au fait. Elle va se plaindre parce qu'on l'a déviergée par son frère. Et pourtant, elle avait dit, tu peux le faire de manière honnête. Papa ne va pas te le priver parce que tu en as la possibilité. Mais celui-là n'a pas suivi. Il a préféré abuser sexuellement de sa petite sœur. David est au courant. Il se fâche. Bien-aimé dans le Seigneur. Absalom est resté fâché. Mais il n'a pas manifesté cela extérieurement. Il a gardé ça comme rancune. C'est une blessure intérieure. Une année, il se disait bonjour. Des fois même, ils partaient ensemble à l'école. Peut-être ils travaillaient ensemble. Ils communiquaient. Mais dans le cœur du frère Absalom, il y avait ce qu'on appelle la blessure intérieure. À Kangamotema, la Bible dit, 2 ans après, il va maintenant organiser une fête. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants des dieux sont tués. Une fête, bien-aimée. Et c'est à cette fête qu'on va inviter le petit Tamar. Et Onan. Amnon vient à la fête. David ayant peut-être oublié l'histoire, pensant que rien n'était encore bien, mes seigneurs, dans le cœur d'Absalom. Or que ce petit a été blessé intérieurement. C'était une fête, mais la fête se transforme en deuil. Quelques temps plus tard, on l'appelle David, là-bas, tous tes fils sont morts. Ah, Batoba Mimarbasang, ouais. Bah, rapporteur. Bah, ça, les reportages à ma bé, Penza. Tes fils sont morts. Ah, David a déchiré les vêtements, il a porté les sacs, il commence à pleurer ses fils. Or, il s'agissait d'un seul. Celui qui était victime d'une blessure intérieure. Maman, zomon à côté, bah, ma kambo, y a ma blessure et mes manques. La Bible nous dit ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Combien d'enfants ne se sont pas empoisonnés, eux-mêmes se sont suicidés. Soit par pendaison, soit par poison, empoisonnement. Eux-mêmes. Afin de nakatinanda, des fois chez Bangomoko. Les enfants qui pensent toujours que ah moi on me maltraite, je suis chez nous même mais on me maltraite. Bien-aimé Seigneur, c'est des climats qu'il ne faut pas développer. Il faut parler à l'enfant, parler aux enfants, leur dire ici c'est chez vous, on ne te maltraite pas. C'est l'éducation. Dialoguer papa, dialoguer. En toute chose, il y a la part de Dieu, il y a également celle de l'homme. Dieu ne descendra pas pour éduquer tes enfants. Entre les frères, il n'y avait pas de dialogue. Parce que si Absalom causait très bien avec son frère Tamar, et plutôt Amnon, Amnon n'allait pas se faire conseiller auprès des amis du quartier. C'est Granero, bang, Abi Gwaza, demi-frère. Il serait resté seul. Soit il allait tout simplement aborder son père, soit parler à Absalom. Parce qu'il y avait une possibilité. Si la petite sœur savait que dans la loi juive, c'est possible que le droit de rachat se fasse, c'est que Amnon également, le grand frère, était censé connaître, être au courant. C'est qu'Absalom également connaissait cette possibilité. Mais comme il n'y avait pas de dialogue dans la famille, Bana moi saliboso, Bana moi samibale.
les fils des deux différentes rivales. J'aimerais que tu brises ce genre de barrières dans des familles. Que tu détruis toutes sortes d'obstacles. Il y a des mamans qui ont tendance à diviser les enfants. Donc on a un groupe. Bien aimé dans le Seigneur, c'est des murs à écrouler. Vous ne connaissez pas ce que ça peut vous rapporter demain. Ça peut dégénérer, mes frères. Nana besoin manako buka ba mirwana ya ba tuba groupe na bandako un tel baza ba pire un tel ba yoka na rabien un tel ba yoka na rabien te ya biloko ma b et c'est le manako buka ya ngosiko. J'aimerais qu'on commence par là, mes frères et sœurs. Le manque de dialogue, le manque de compréhension, monsieur et dame, tu vas prier, Seigneur. Manque de compréhension, manque de dialogue et de conversation entre mes enfants. Vous avez moi na papa moko, ba na maman moko. Attends, vous avez maman différente, vous avez papa différent, mais vous êtes des frères. Maman cesse de séparer les enfants. Dans la plupart des cas, ce sont des mamans qui sont à la base. J'ai dit bien des mamans. Quand je suis le langage du frère qu'on appelle Jephté, quand on chasse Jephté, lesquels sont en train de chasser Jephté? Ce ne sont pas des étrangers, mais ce sont ses propres frères. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils tiennent comme propos. Maman, quand c'est Naza contre Bino, hein? Mais c'est la Bible, c'est moi qui me fais parler ça, ainsi. Les petits frères de Jephté lui disent ceci. Bien-aimés, ne cherchez pas toujours qu'on puisse vous rappeler. Partagez. Ça devient comme une prédication. Partagez, invitez les autres. Quand nous prêchons là, profitez-en pour partager aussi. Vous écoutez tout en partageant. Contribuons tous, ne soyons pas égoïstes. Ne nous levons pas pour barrer, n'est-ce pas, l'épanouissement de l'évangile. Dieu sait que tu es son fils, tu es là, tu dois partager pour faire une large diffusion. Alors mes frères et sœurs, ne cherchez pas qu'on puisse perdre toujours le temps. Toutefois, partagez. Ça vient comme si c'était une prédication ou un passage biblique. Quelqu'un qui ne comprend pas le français risque de poser la question. Partager veut dire quoi? Voyez-vous. Donc je pense que on peut mieux faire si on sait bien faire. On ne le fait pas, la Bible dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait point est en train de pécher. Frères et sœurs en Christ, Jephté est chassé. Par qui? Par ses frères. Ce qui me pousse à conclure que ce sont des mamans qui sont souvent la base des divisions des frères ou des membres des familles, c'est à travers le discours des petits frères de Jephté. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu n'hériteras pas dans la maison de notre papa parce que tu es un enfant bâtard. Et tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. C'est que ces choses-là, ces notions-là, qui leur a inculqué ça? C'est la maman. Je ne pense pas que le papa, qui est le papa de Jephté, mais aussi le papa des autres petits frères de Jephté, se mette à marginaliser son fils, son sang, jusqu'à tel point qu'on puisse l'expulser. Je ne pense pas. Donc, ça doit être la maman. Oba bengara marâtre à Jephté, moutoisek na base. Maman, si vous avez de telles habitudes, je vous en prie, venez wana na munoko na ya ko divisa rabana ya ko kabola rabana pikola yango na kombo na Yesu. Ya tonga mabe ya kindoki. Un mauvais venin. Si nous allons dans la famille de Jacob et de Saul, c'est-à-dire la famille d'Isaac, nous voyons encore c'est Rebecca qui est à la base. Pendant que Saul cause avec le premier, avec son père Isaac, Rebecca est derrière les rideaux, elle écoute tout, elle enregistre. Après la conversation, le petit Esaü est allé chercher les gibiers en brousse. Elle s'élève, à fond de mon oronaye, petit, oh là là, Nanza maman ayo, Esaü a le roté. C'est toi que je veux, il faut que tu sois l'héritier. Dépêche-toi comme il est parti en brousse, non, va récupérer le marché et toi tu auras l'héritage. Votre papa ne voit plus, c'est un aveugle, un moitié aveugle.
Alors, viens, on va en profiter. Maman Rebecca. Nana posa maman nyon souzo la nanga. O prier le bananzambe. Que pareil comportement ne soit pas mon partage. Même si tu étais déjà dans ces trucs-là, j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ce genre de comportement, de ce genre de langage. Ah, nous prions contre les conflits familiaux. Je te prie d'élever ta voix maintenant et de commencer à dire, je refuse la sémence des divisions. La sémence des divisions, c'est à travers ce genre de divisions des femmes, des mères, des frères et sœurs qui développent des attitudes, des mauvaises attitudes, des uns vis-à-vis des autres, et ça crée des blessures intérieures dans des familles. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, que tout comportement, tout langage, que ce soit de ma part, moi, maman, que ce soit entre les enfants entre eux, Seigneur, que ce genre de langage a tendance à diviser la famille, soit loin de nos langues, loin de nos bouches, loin de nos âmes. Prie ta voix, prie pour tes enfants, prie pour toi-même, prions au nom du Seigneur, alléluia, élève ta voix et sois concentré, élève ta voix et sois concentré, prie bien pour toi-même, mais la prière des saints a une grande efficacité, laisse-moi te rassurer que ta présente prière est capable d'épargner ta famille de maux. Quand on va continuer avec l'histoire de David, tu vas comprendre que la blessure intérieure est une mauvaise chose, et déjà à travers l'introduction, j'avais dit que Absalom a tué son petit frère en la personne de Tamar. C'est grand ou petit, je ne sais pas. Mais il a tué son frère, son demi-frère. C'est pourquoi je te demande, mon frère et ma soeur, de dire à Dieu que cette sémence qui commence comme une sorte de grain de sénévé, qu'elle disparaisse. Je ne veux plus la voir dans ma maison. Je ne veux plus la remarquer dans mon langage. Perdre les attitudes, les comportements, ayant tendance à diviser la famille. Seigneur, je ne veux pas les ressentir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici encore devant toi. Nous te demandons une chose, Père. Éternel, aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de ce genre de venin. Que ma bouche ne soit pas là pour diviser les enfants. Au nom puissant de Jésus, que la bouche de cette femme ne soit pas une bouche avec comme un couteau à double tranchant, mais qu'elle ne soit pas là pour diviser, séparer, confondre les enfants, Seigneur, de sorte qu'ils ne parlent plus le même langage. Oh Père éternel, je déclare au nom de Jésus que la bouche d'un papa ne soit pas là comme un couteau pour séparer maman avec ses enfants, soit pour séparer sa famille avec son épouse. Père, que ce genre de comportement ne soit pas notre partage. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont divisé les enfants. Seigneur, aide-moi, aide ma femme, aide mon mari, aide-nous, Seigneur, à ne pas développer ce genre de caractère et de comportement au sein de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, l'arbre que mon Père éternel n'a point planté, le Père céleste n'a point semé, doit être déraciné. Tikanzete a kokabula batu, ya division. Oeza bonzambete et pikwa malibela la katina yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David, insensible. David, superficiel, n'étant pas engagé dans la famille. David, n'étant pas engagé, mes amis. Il se retrouve le plus grand perdant. Connaissez-moi, n'a comme mon coloboye. Moi, n'a koufi. A salivité, a balité. Et le remords était quelle douleur. Ma kangondo kite. À cause de la légèreté, à cause de ta légèreté, à cause de ta naïveté, à cause de ta distraction, demain ou après-demain, on risque de te traiter de sorcier. Pour rien. Je dis bien, je le répète. Pour rien. Alors que tu es le plus grand innocent. Ah, David pleure son fils. David pleure. Homme non. Je déclare et je prophétise que tel ne soit pas ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi quelques partages. Permettez à quelqu'un d'être branché, scotché.
que tout esprit de suicide ne soit pas opérationnel dans ta maison. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quand quelqu'un se suicide, ça dit que ce n'est pas une mort normale, c'est ce qu'on appelle par la mort prématurée. Partagez, partagez, partagez. Et cette mort prématurée, on peut la révoquer, on peut l'annuler, on peut la repousser plus loin, on peut la détourner, on peut la dévier. C'est un esprit qui vient pour agir et récupérer les esprits dans la maison, les vies humaines. La Bible qui dit vous résisterez au diable et il fuira. Si le monde des ténèbres a planifié qu'il y ait mort prématurée dans ta maison à travers l'esprit de suicide parce qu'il y a eu un climat de blessures intérieures, les uns et les autres dans la maison ont été blessés, tu vas déclarer dans le nom de Jésus, papa n'a yoka masolo yoka kamusika, mais pas dans ma maison. Et pour ce faire, tu dois commencer par détruire les mauvaises sémences, des haines, des mauvais raisonnements, des pensées négatives, des pensées de stress et de l'angoisse. Bien aimé, même les enfants de Dieu peuvent ressentir ça. Ce n'est pas seulement les païens. Ne pense pas parce que ta femme prie ou bien ton mari prie, il ne peut pas ressentir des angoisses et de la tristesse. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 36, Jésus-Christ ayant ressenti de la tristesse et des angoisses, il est allé à Gethsemane. Ne développe pas ce genre de climat de personnes trop mécontentes dans ta maison. Bofungwama. Soyez ouverts, discutez, partagez. N'accepte pas que quelqu'un développe une sorte de timidité, de quoi on appelle ça, ouais, timide, de personnes timides dans ta maison. Ne permet pas ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand la bouche ne parle pas comme ça, c'est qu'elle renferme également des dépôts maléfiques. Est-ce qu'on peut prier et panser toutes les plaies? Je ne veux pas faire un enseignement ici sur les blessures intérieures. Mais en passant, laissez-moi vous dire, comme les blessures externes se soignent, c'est de la même façon que les blessures intérieures doivent également être traitées. Il faut pansement. Ça peut faire mal, mais c'est important. Pousse à celui qui n'est pas dans son bain de s'exprimer. Auparavant, ça c'était un peu rigolo pour moi, mais j'ai apprécié, j'ai compris qu'ils ont raison. Depuis que je suis en Amérique, je n'ai jamais vu un blanc empêcher à son frère de pleurer. C'est-à-dire lui dire ne pleure pas. Non. Namona ngoma na mundela zo lela. Bandrone mundela ba ta leka ba le belo te ba ti ka lela. Quand je me suis renseigné, ils m'ont dit quoi? C'est un sentiment, il faut laisser la personne s'exprimer, libérer l'émotion et les sentiments qu'il ressent dedans de son âme. C'est comme si tu as un frein. N'a pas d'émotion. Oh, il faut que tu te dises que tu es un frein. Est-ce que vous comprenez? De même qu'on soigne la plaie sur la peau, c'est de la même façon qu'on soigne également la plaie intérieure. Donc, il faut sortir les saletés qui sont à l'intérieur de la peau. Ça peut faire mal. Vous finissez en pendant ma mise bimi, tu prends les cotons, tu nettoies à l'intérieur. Ça fait mal à la personne qui est blessée, mais c'est pour son bien. Ozolé la maison bimi ça bilo quoi quatre. Ozo se défouler. C'est très important. Pendant que je parle, tu connais ce qui se passe entre toi et tes enfants. Tu connais l'attitude et les tempéraments qui règnent entre ton mari et toi-même, maman. Papa, tu me suis. Elle est là, elle ne parle pas, mais elle ne fait que gober. Bien-aimé, il faut développer un climat de dialogue. Ça là qui est fort, moi, c'est dans le bac. Ça là qui est fort, mon bel dans le bac. Et
me souviens encore, c'était la semaine surpassée. Je me moquais de mon épouse, je lui disais, mais toi là, depuis que je t'ai appris à parler, parce qu'elle ne parlait pas auparavant, elle était très timide, là, très timide. C'est un mauvais climat. Maintenant, quand on faisait un petit débat comme ça, est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est très important. Et quand vous êtes dans un foyer comme ça, les gens ne parlent pas, il y a des gens qui sont calmes, calmes. Il y a d'autres qui sont c'est de nature. Mais ce n'est pas bien. Parce que tu auras du mal à connaître la position de ton semblable. C'est pourquoi je te prie, mon frère, de développer le dialogue et de pousser à tout un chacun de s'exprimer. Même quand tu penses que tu as raison, parle, dis-lui la vérité, ça lui fait mal, mais écoute également ce que la personne te dit. Et après vous aurez un terrain d'entente. Malheureusement pour David, il n'a pas traité ses enfants de la sorte. Le petit Absalom est resté dans son coin. Il a vu la manière dont on a traité sa petite sœur. Il n'a pas dit mot. On n'a pas vu David se rapprocher ou bien faire asseoir ses enfants, ses fils et chercher la réconciliation. Il n'a pas approché Absalom pour lui poser quelques questions par rapport à ce qui s'était passé. Il a laissé passer. Or, il y avait une blessure intérieure. Maman, il y a une blessure. Toi qui élèves les enfants de ton neveu, de tes neveux, tes nièces, etc., les enfants de ta soeur, de ton frère, faites attention, ne faites pas la discrimination dans les traitements des enfants. Je sais que tu ne vas pas les traiter tous de la même manière, ça j'en sais, j'en suis plus que rassuré. Mais que bah marge, il y a discrimination, ils ont la limité. Ils ont la limité. David pleure son fils. Banda ko picola, ozo kende ko déraciné. Okende ko longola, mon limo ba raisonnement, mon limo ba souci, mon limo ba haine. Il y a de ces enfants, mais Seigneur, vous ne l'avez même pas maltraité, mais des démons comme ça qui viennent et qui prennent possession de l'enfant. Amonaka, comme si vous avez un nyokola kaye. Et c'est ça, ça monte au niveau de ses pensées, des raisonnements. Mon amour, ko konda, ko konda, ko konda. Et c'est. Comme si vous vous faire souffrir alors que vous faites des choses des fois pour son bien. S'il y a des enfants comme ça parmi tes enfants, il faut prier que cette sémence ne se développe pas. Ce sont ces gens de trucs qui font appel à des esprits de suicide. Si tu as pas poto alors. Mais nous avons le nom de Jésus-Christ et nous avons la prière comme arme capable de barrer la route à ces gens d'esprits. Les esprits de suicide. Oui, bendaka. Et bendaka. Mais lis-moi ma belle, Iwa. Moi, on a qu'un au chocolat. Ah, mon amour, je suis au chocolat. Mais c'est pour ton bien, grand frère. Va te faire coiffer. Hey. Bien-aimé. Si tu as des enfants qui se comportent comme ça, sur toi en Europe, il faut en faire un sujet de prière. Parce que belé va perdre ba banara na biloko wana. Mona mwana zo mukola na ba rancune wana zo mignonga zo mikanga na mutema. Azo mikanga na mutema après moi le bilobi mwana comme voyou à Kiminda. J'aimerais que tu prennes de quelques bonnes minutes pour dire à Dieu des conflits provoqués et orchestrés par des démons, des esprits de suicide, des esprits de rébellion, des esprits de mauvaise image, des esprits de remarquer, de regarder les gens à travers et de comprendre les gens à travers. Bien-aimé, que ces gens d'esprit ne prennent pas possession de mes enfants, qu'ils ne puissent pas trouver leur place dans ma maison. La Bible dit, le méchant ne résiste point dans l'assemblée des saints. Que ma maison soit une assemblée des saints et que la présence démoniaque, des esprits d'incompréhension, des esprits de ces gens ne soient pas mon partage. Au nom puissant de Jésus, les esprits de parti pris, les esprits de division, que ça ne puisse pas trouver leur place dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur et mon frère, commence à prier. Prie pour tes enfants, tu les cites nommément. Prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tous ceux qui vivent avec toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ma maison, pas ce genre de service, pas ce genre d'attitude,
pas ce genre de comportement. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, je t'invoque maintenant, le Dieu Très-Haut, le Dieu aux possibilités illimitées, la prière élevée de mon cœur, que dans ma maison, ce genre d'attitude ne se fasse pas, vivre et que ça ne se développe pas, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, que ça soit en moi-même, en ma femme, en mon mari, à mes enfants, à tous ceux qui vivent avec moi, que toutes sortes de sémences maléfiques, de parties, de raisonnements, de doutes, des sentiments de mépris, de rejet ou d'être rejeté, des esprits qui nous poussent à la solitude. Oh Père, que ce genre de raisonnement ne soit pas le partage ni de mes pensées, ni des pensées de mon épouse, ni celles de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé, prie, commence par refuser ce genre d'attitude. Tu vas dire à Dieu que ce genre de raisonnement, ce genre de pensée, ce genre de sentiment ou de pressentiment de discrimination ne soit pas, ne monte pas dans les esprits de mes enfants, ne monte pas dans l'esprit de ma femme, ne monte pas dans l'esprit de mon mari. Des sentiments de rejet, les sentiments de se sentir inutile, de se sentir haï de tous. Oh Père, d'avoir comme impression qu'ils sont détestés par leurs propres parents, par leurs propres frères, par leurs propres sœurs, ces sentiments de rejet ou d'abandon qui ne se développent pas. Seigneur, nous refusons à tous ces genres de sentiments qui poussent les enfants à développer des blessures intérieures dedans d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Tu vas maintenant résister au diable. La Bible dit, vous résisterez au diable et il fuira loin de vous. Aucun de vous résister dans mon Satan. Comme tu as fermé la porte des blessures intérieures, que l'esprit de suicide et d'assassinat ne se fasse pas voir comme à l'époque d'Absalom et de Tamar. À l'époque d'Adam, plutôt de Caïn et d'Abel, Caïn s'est senti blessé au-dedans de lui parce qu'il était complexé. Il se disait sûrement que moi, je suis le grand frère. C'est moi qui dois exceller par rapport au petit frère. Mais malheureusement, mes amis, c'est le contraire qui s'est fait voir. Ah, Caïn était blessé au-dedans de lui. Et la Bible dit, cela engendra comme conséquence quoi? Caïn va sauter sur son jeune frère et le tuer. Par conséquent, sa blessure intérieure en haut. De même, Absalom également, 2 ans d'attente. Donc, potezo s'infecter, zao s'infecter. Potezo zo atofina, papa zo monate. Potezo zo atofina, mama zo monate. Tika be kayo yo, et kwe na misuna yo, que les écailles tombent de tes yeux, parents. Parents, maman, papa, que les écailles tombent de vos yeux ou de nos yeux. Qu'on soit à mesure de détecter le niveau d'infection de plaie dans le cœur de nos enfants qui sont blessés. Que Dieu t'ouvre les yeux et les oreilles pour repérer si facilement lorsque tes enfants sont visités par ces genres d'esprit, des solitudes, des sentiments de rejet, des sentiments d'abandon. Non habite man robonde la bonde la bonde la bana mais nabina yonde osa la sensible peut osa la capable à ko résister milim résister na ba prière résister pe na maloba tel est milim milim mabé au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu redresses tes enfants. Pendant que je parle, si il y en avait quelques 2 ou 3 qui ne se parlaient pas, fandi sa bangona kit impose. Impose-leur cela. Vous devez vous parler entre vous. Vous êtes fils et filles des mêmes parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes fils et filles des mêmes parents. Si cela a été fait à l'époque d'Absalom, mais Amnon ne mourrait pas si jeune. C'est comme la légèreté, le taou, report au lendemain, ce qui peut être fait aujourd'hui, et ça la partage dans YouTube.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà que nous nous approchons d'une heure, parce que vous avez dit qu'aujourd'hui on ne va pas traîner. Il ne nous reste plus que 10 minutes pour clôturer notre séance d'aujourd'hui. C'est une séance d'une heure, parce que demain ce sera la clôture. J'aimerais que toute personne qui me suit maintenant, tu connais ceux qui sont en mésentente dans ta maison. Si vous aviez un conflit, monsieur et dame, et que le conflit t'est rongé, ça t'est rongé, tu as compris les conséquences. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Parmi d'autres conséquences, c'est la rébellion, c'est la séparation, c'est le divorce, c'est des tiraillements, des divisions. Et tout ça, ça déstabilise la famille, ça n'honore pas Dieu. Bandako buka buka biloko na kat na ndaku na yo. Bandako bebisa biloko na ndaku na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais asseoir tes enfants. Fais asseoir tes fils et tes filles. Fais asseoir ton mari. Fais asseoir ta femme. Causer, dialoguer et renforcer l'unité. Ma blessure intérieure sur base à ma conflit dans la famille et fout à rater. Par conséquent, Nango, demande à Dieu la force. Demande à Dieu le courage. Demande à Dieu la détermination. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à corriger cela. Papa, maman, vous êtes là. Là, je parle également aux femmes seules. La plupart d'entre elles ont tendance à diaboliser leur mari, bien le père de leurs enfants, auprès de leurs enfants, auprès des enfants. Si nous souffrons comme ça, c'est parce que ton père n'est pas bon. C'est parce que ton père est un voleur, est un menteur, est un infidèle. Il m'avait humilié, il m'avait rejeté. D'ailleurs, il nous a abandonnés. Bien aimé Seigneur, il y a des conflits entre parents qui ne doivent être gérés qu'entre eux. Tous les conflits que vous avez, messieurs et dames, vous n'êtes pas obligés à vous décharger en vous déchaînant sur les enfants. Il faut épargner les enfants de certains de vos conflits. Et bien, on va voir ça n'a raté. Il y a des enfants qui ont péché les lots. Il y a des enfants qui ont détesté leur père à cause de ça. S'il te plaît, il faut épargner des enfants de certains trucs. Parce qu'ils gardent des choses, des secrets dans les cœurs. Et ils grandissent avec. Ça affecte leur psychologie, ça affecte leur mental. Autrefois, je vous ai parlé d'un garçon qui avait tabassé son père. Et c'était votre humble serviteur que je suis qui avait à réconcilier ce monsieur-là avec son fils. Ce n'était pas la faute de sa mère, mais c'était le papa lui-même qui était fautif. Mais vous voyez, je voulais seulement vous montrer comment est-ce que les enfants peuvent être affectés de leur bas âge et grandir avec une idée selon laquelle papa est mauvais. Et vice-versa, il y a également des papas qui diabolisent leur maman. Et ça me fait mal de voir que beaucoup même ramènent leurs conflits sur les nets. Déjà, quand vous amenez les conflits sur YouTube, WhatsApp, etc., c'est des choses qui vont rester pour toujours. Hein, toi, tu peux effacer sur ton groupe, sur ta page, ton journal, etc. Mais il y a des gens qui font des captures. C'est des péchés impardonnables. Excusez-moi, il n'y a pas de péchés impardonnables. Mais pour moi, c'est, par rapport à la vie des enfants, les enfants ne vont pas vous pardonner de cela. Si possible, évitons et épargnons des enfants de certains de nos conflits. Ce jeune garçon voyait son père qui tabassait sa mère pratiquement tous les jours. Et quand il tapait sa femme, il lui déchire des vêtements. Et des fois, la maman reste avec les soutiens, des fois les sous-vêtements. On déchire tout. Et c'est dans la cour. Et l'enfant grandit avec ça. À partir de 11 ans, 12 ans, il s'est fâché. L'enfant pleurait, papa. Il n'était pas fort, mais quand même. La mémoire de l'enfant était polluée.
Polissez-moi la mémoire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant grandit, va faire le judo. Papa, il va rater ma la reine des judo. Le cas de judo, il y a un dans ma quartier. Et deux jours, moi, Zakoto, deux jours, Zakoto, l'enfant atteint 17 ans, 18 ans. Les papas qui ne veulent pas changer un soulard. Un beau jour, il va encore mettre la main sur sa femme en présence de l'enfant. L'enfant dit, papa, c'est ça avec ça. Non, papa, trop, c'est trop. Ah, il va taper, il prend la femme, il sort dehors dans la cour encore. L'enfant dit, aujourd'hui, papa, il verra de quel bois je m'échauffe. Il va récupérer son père. Boum! Papa est par terre. Il veut se relever, il relève encore. Boum! Bitoumbe s'il a raté s'il. Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant, le fils a tapé son père. Depuis ce jour-là, le papa ne parle plus à ce garçon. Et il était attaché à sa mère. Et la vie a continué. Mais malheureusement, ce n'était pas une bénédiction pour le jeune homme. Voyez-vous comment est-ce que la vie d'un jeune peut être gâchée à cause des conflits des parents. Heureusement qu'il était venu à l'église un jour sous l'invitation de sa mère, parce qu'ils étaient toujours attachés à la maman. Quand maman venait prier chez moi à l'église, j'ai prêché et l'enfant était également captivé. Afin d'y payer l'église, j'ai organisé un séminaire sur des blessures intérieures. Et voilà que l'enfant va comprendre. Il va venir dire ce qui était la raison de sa blessure intérieure. Combien il était blessé dedans de lui. On va me parler de la situation. Il dit, ça fait des années, on vit dans une même maison et papa, on ne se parlait pas. Pourquoi? Il m'explique la chose, la situation. Je lui dis, mon frère, le ciel est toujours fermé. Il faut que tu te repentes. Et je lui ai donné la recommandation de se réconcilier avec son père. Je lui ai dit, achète. Ton père boit beaucoup, il dit oui papa, il boit beaucoup. Bon, on va lui acheter les damgens de vin rouge. Le vin, il y a mon énorme. Fais une enveloppe, comme tu travailles, tu es mécanicien, oui. Ça, l'enveloppe, il y a bien. Il y a kaki, il y a pembe, mais enveloppe quand même, il y a bien consistante. Tu prends les damgens. Quand tu vas vouloir sortir de sa maison comme ça, tu vas t'agenouiller, tu lui offres ça. Ah, papa, en tout cas, là, papa. C'est de cette façon que la réconciliation a été faite. Et le papa, malgré le fait qu'il buvait, il a cherché à nous voir parce que son fils lui avait dit, on nous a parlé de Dieu, l'homme de Dieu nous a parlé, j'étais convaincu. Voilà pourquoi je suis venu, papa, pardonne-moi, papa, tu es mon papa. Et pour la première fois, ce papa l'a dit, pour la première fois que je mette mes pieds dans une église, et encore dans une église de réveil, binzam, binzam. Parce que j'ai vu le fruit. J'ai vu le fruit. Mon fils était déjà perdu. Je l'avais maudit, je l'avais détesté, je l'avais rejeté. Mais le diable était menteur. Pendant que je parle, il se pourrait que tu sois là aussi, tu traverses des situations comme celle-ci. Tu te dis, papa, est-ce que c'est possible que la réconciliation soit effective dans ma maison? Je te dis que ce moment de prière n'est pas venu en vain. Patrick Kala, la ministrie, est une organisation divine. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie. Et si vous voyez, on nous combat comme ça, on ne veut pas laisser l'espace pour qu'on puisse prêcher. Bien-aimés, comprenez que la mission est grande. Des familles doivent être réconciliées. Des hommes et des femmes blessés doivent être traités. Et le seul antibiotique capable de soigner des blessures intérieures, c'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je libère une onction spéciale maintenant. Toi qui es sous le toit de ma voix, même toi qui m'entendras en différé, que l'esprit de consolation, l'esprit de réparation, l'esprit de pardon, l'esprit de réconciliation soit votre partage. Et que toutes les familles du monde où il régnait la division, les incompréhensions, les divisions, les rancunes, les blessures intérieures soient visitées au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les familles. Prends le contrôle de tous les cœurs blessés dans des familles. Visite toutes les maisons où les gens ont des situations difficiles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie. Et puis je vais donner encore un dernier exemple. Et on va clôturer pour aujourd'hui. Avant qu'on finisse notre programme demain, le 10e jour. Élève ta voix et nous allons prier ensemble par rapport à ce que je viens de développer. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Maintenant je prie avec mes frères. Partout où régnaient des blessures intérieures, où les gens sont blessés au-dedans d'eux, où des personnes sont marginalisées, maltraitées, même ceux qui le pensent à travers ou à tort, mais qui sont quand même blessés. Je te prie, Yahweh, de bien vouloir penser les cœurs. Pense les cœurs, répare des relations. Restaure des relations dans des familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais clôturer à travers un dernier exemple. C'est le cas des filles maltraitées ou violées par des membres de famille. Beaucoup de belles sœurs vivent chez leurs grandes sœurs, mais elles sont blessées au-dedans d'elles. La grande sœur aime tellement son mari que la petite sœur a peur de lui dire que ton mari me fait la cour, ou bien qu'il m'a violé, ou bien qu'il m'a visité dans la douche, ou pendant que je dormais, il est rentré dans la chambre, on est parti avec lui, on a commis l'acte sexuel. De l'inceste caché dans des maisons. Azota la famille, famille Bobola. Ce n'est que le bas, awa. Yaya mobali ne ba obongisa ngani ba obenga na ngai. Yaya zalaka tolérante. Faut écouter les autres. Vous êtes trop macasse, trop caractère difficile. Ta petite sœur ne pourra pas te dire la vérité. Abi ce na mekia wa kutu refoulement. Na zone na via matembele passe. Ce sont des blessures intérieures. Et de telles maisons, Dieu ne peut pas répandre la bénédiction. Nous avons la bénédiction où me l'a raté. Parce qu'il y a des choses cachées. Que toute personne qui m'écoute, tu as une certaine parcelle d'autorité sur les uns et les autres dans ta maison, soit sensible. Sois équilibré. Combien de jeunes filles en souffrent aujourd'hui? Elle n'est pas aussi d'accord avec ce qu'on fait, mais le beau-frère est en train d'abuser d'elle. Mais elle est limitée, elle ne sait plus quoi faire. Petite sœur, dis-moi la vérité. La menace était. Change de comportement, change d'attitude, sois ouvert, sois tendre. David n'a pas donné l'occasion à Absalom de s'exprimer. La conséquence était fâcheuse. Tu vas prier contre l'esprit de viol, contre l'esprit d'inceste. Inceste dans des familles. Nzamba épargne ndakuto na biloko wana. Ce sont des choses qui développent des blessures intérieures. Une fille a juré dans sa vie de ne plus s'accoupler avec un homme parce que sa première expérience sexuelle s'est faite avec beaucoup de violence et avec beaucoup de traumatismes. Finalement, mais baby sur le plan sentimental, psychologique, même psychique. Elle a besoin d'un psychiatre pour être rééduqué sur le plan sexuel. C'est des choses qui se passent où, dans ta maison, dans la maison d'un fils de Dieu, dans la maison d'une fille de Dieu. Non, mon frère, n'accepte pas ça. Tu vas prier pour dire à Dieu,
loin de ma maison l'inceste, loin de ma maison l'inceste. Est-ce que tu peux prendre tes deux belles minutes, prier pour dire à Dieu, loin de ma maison l'inceste, l'hypocrisie, la duplicité, l'infidélité, l'abomination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Prends tes deux belles minutes, prie par rapport à cela. Au nom du Seigneur, alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous prions encore ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous prions en faveur de nos frères, en faveur de nos sœurs. Père éternel, agis dans des familles où règne l'inceste, dans des familles où il y a des pratiques abominables de ce genre. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir te lever comme le réparateur de brèches. Répare et restaure, répare et restaure dans le nom de Jésus tous les foyers visités par l'ennemi dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble avec le bien-aimé, nous t'acclamons, nous te célébrons et te magnifions en disant merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment. Acclame le roi des rois. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame l'étoile brillante du matin. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et qu'il vous bénisse richement. Je vous avais dit une heure. Voilà qu'on est à une heure et demie. Pratiquement 1h15. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment. Allez. C'était votre humble serviteur, le pasteur Kalala. L'homme de la continuité des actes des apôtres. Visionnaire de Patrick Kalala Ministry. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Voulez nous contacter? L'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-4903. Encore une fois, plus 1-331-262-4903. C'est par ces coordonnées téléphoniques que nous mettons un point final à notre service de cet après-midi. Je vous recommande de vous abonner sur notre chaîne YouTube Patrick Kalala Ministry, la chaîne YouTube Patrick Kalala Ministry, pour bénéficier des enseignements et des sujets de prière semblables à celui-ci. Et je vous prie aussi de vous abonner sur cette page Facebook Patrick Kalala Ministry, sans oublier notre compte Instagram Patrick Kalala Ministry 1, et mais aussi TikTok Patrick Kalala Officiel. Daigne le Dieu Tout-Puissant vous bénir, qu'il vous bénisse abondamment. Quant à nous, nous disons merci de nous avoir suivis. Allez, portez-vous bien. On se retrouve dans quelques heures dans Temps des prières agressives à 23h30 heure des USA pour ceux qui nous suivent depuis Facebook. Et ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur YouTube, c'est dans quelques heures à 21h30 heure de Chicago. Ce qui fera 4h30 heure d'Europe et d'Afrique. Allez, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Et à bientôt. Inspiré pour vous en vue de votre au programme, révélations, exhortations, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-vous au 001-331-262-4903. Soyez bénis. Programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, révélations, exhortations, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-vous au 001-331-262-4903. Soyez bénis. Émission Malamu ya Maloba na Nzambe Nanguya pona ko simba lobi na yo pona ko zoa biyano malamu na bomoi na yo pona ko tatola elongi longo na kolo Yesu osali na Nzambe Reverend Patrick Kalala amemeli bino émission kitoko ezali émission ya Maloba na Nzambe ya matea ya Nguya pe ya mabondeli ya moto 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 otobengi ba prière agressive pona ko récupérer oyayo lipamboli pona ko récupérer oyayo.
oyayo bomoi pona ko récupérer oyayo esengo pe kimia bongo pona ko contacter biso boy ko benga biso 001 331 262 49 03 et pesa melibino na moko na basan nza passé particulier là bola na biso na bokebinyo so mikolonyo zambe apambola bino